Bonjour à tous, toutes nos excuses pour le retard au démarrage de cette édition. Voici tout de suite les titres de ce 13h. Le 1er juin, l'arbre est à l'honneur au Bénin. C'est la journée nationale de l'arbre à la faveur de cette édition 2017. Retour sur plus de 3 décennies d'action en faveur de l'arbre. Un numéro vert pour alerter la police nationale sur les cas d'insécurité, le 166. Cette ligne verte a été présentée au public qui vise à réduire la criminalité au Bénin. Et cette question, le viol passerait-il en tête des délits et autres crimes commis au Bénin? La question préoccupe autant que les cas de crimes de viol enregistrés ces dernières années au Bénin. Bonjour et bienvenue. Je le disais dans les titres, le Bénin célèbre ce 1er juin la journée nationale de l'arbre. C'est la 33e édition depuis son institution. Arbre, énergie et environnement, c'est le thème de cette année. Les manifestations officielles ont eu lieu à Alada. Mais avant la célébration, le directeur général des eaux et forêts a profité pour faire le point des acquis et des perspectives de cette journée. Séverin Sia est au micro de Ghislain Poguet et Alexis Quenom. Il y a eu des acquis. Nous avons quand même planté à peu près 150 000 hectares. Au moins 147 millions de plants ont été produits et mis en terre, et couvrant à peu près 150 000 hectares. Nous ne pouvons pas dire que tous les 150 000 hectares sont là aujourd'hui, parce que il y a quand même que il y a le broutage, il y a certaines intempéries, il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que tous ces arbres-là n'ont pas survécu. Mais si nous faisons quand même une statistique normale, on pourrait dire que nous avons au moins 80%, disons, de ces 150 000 hectares. Donc 120 000 hectares au moins ont pu réussir. La difficulté, c'est la question d'entretien. Parce qu'on n'a pas mis l'économie dans le bois. Si je sais que, en plantant un hectare de bois, je peux avoir 2 millions, 3 millions par an, même 5 millions par an, je vais choisir délibérément de ne plus aller vers le coton, ni le maïs, etc., pour me faire véritablement de l'argent. Les gens ne savent pas, ils plantent, mais bon, ils n'entretiennent pas. C'est l'entretien qui pose problème. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, je peux dire que les gens ont compris. Il y a des privés qui ont 20, 40, 50, il y en a même 400, 900 hectares aujourd'hui. Donc, il faut amener progressivement les gens vers là. Et quand ces plantations vont rentrer en pleine production, d'accord, et que les gens vont commencer par engranger des sous importants, l'entretien va suivre. Le marché existe. Et vous savez que c'est le marché qui tire la production. Journée de l'arbre, donc ce 1er juin, des plans sont mis en terre à l'occasion. L'acte institutionnel remonte à 1985. Depuis, quelles sont les essences qui ont été mises en terre? Quelle importance dans la restructuration de notre couvert végétal? Nous vous proposons un zoom sur les différentes espèces souvent plantées au Bénin à l'occasion du 1er juin. C'est un sujet de Jean-Claude James, Dean Bouraïman et Ramatou Lawan. Des semis d'essence à croissance rapide en pépinière. Dans ce périmètre du Centre d'études, de recherche et de formation forestière, il y a de la matière pour la célébration de la JNA, Journée nationale de l'arbre, où toutes les espèces sont visées. Nous n'avons pas une catégorie ciblée d'espèces. Nous avons dit la journée nationale de l'arbre, donc c'est toutes les espèces d'arbres qui sont naturellement mises en terre. Mais dans la pratique, nous remarquons que la population béninoise a une propension pour certaines espèces, donc notamment les espèces à croissance rapide, telles que l'acacia auriculiformis, il y a l'eucalyptus, le teck, le mélina. Voilà les espèces qui sont couramment plantées. Mais ceci étant, toutes les espèces d'arbres sont quand même mises en terre. Le choix de ces plants n'est pas fortuit,
Mais que signifie une essence à croissance rapide? Une essence à croissance rapide est une essence où déjà au bout de 5 ans, vous pouvez avoir des bois de service. Je prends le cas du Tech par exemple. En 5 ans déjà après la plantation, vous pouvez avoir les perches, les chandelles pour la construction donc du bois de service. En 10 ans, vous avez déjà de gros poteaux, vous avez des billes, vous avez déjà des petites grumes, donc déjà des bois de service et même quelquefois déjà au bout de 15 ans, les bois d'œuvre. Même si le bienfait de ces différentes espèces n'est plus à démontrer, il faudra tenir compte de la spécificité des zones agroécologiques pour voir prospérer ces essences. C'est vrai que nous avons 8 zones agroécologiques. Toutes ces 8 zones vont trouver les espèces qui correspondent à l'écologie, au climat de cette région. Toutes ces zones trouveront des espèces qui seront adéquates. De Cotonou jusqu'à Malanville, de Sémin jusqu'à Ilacondi, toutes les espèces qui riment très bien avec ces climats seront mises en terre. À la plage, c'est peut-être des cocotiers. Lorsque vous allez dans le nord, c'est peut-être des grands arbres. À Cotonou, nous voulons quoi? Nous souffrons de la pollution, des motos, des véhicules. Et pour régler un peu ce problème, il faut qu'il y ait des arbres à grand feuillage qui puissent produire beaucoup d'oxygène pour que nous puissions nous départir de cette difficulté-là pour le bonheur et la santé de nos populations. Arbre, énergie et économie verte, c'est le thème de cette 33e édition de la Journée nationale de l'arbre. Une façon pour le gouvernement de susciter l'esprit d'entrepreneuriat forestier. Mais 32 ans après, le bilan n'a pas comblé toutes les attentes. Depuis 1985 que cette initiative est née, si on fait un peu le point, le bilan, on constate qu'il ne reste pas grand-chose des plans qui ont été mis en terre. On se demande, est-ce que la population s'intéresse à l'initiative? Est-ce qu'elles y trouvent leurs intérêts? Il faut cesser avec l'approche top-down et maintenant, ce qui marche, c'est l'approche participative. C'est pourquoi il faut impliquer dès le projet les aspirations des populations. Et vous voyez que lorsque vous le faites, naturellement, les populations accompagnent et tout marche bien et nous pourrons respirer. Au-delà des divergences de points de vue, chaque citoyen est invité à mettre en terre un plan sans attendre le 1er juin. La survie de l'espèce humaine en dépend. Vous suivrez dans notre édition de 20h ce soir le lancement officiel de cette 33e édition des JNA, la Journée nationale de l'arbre qui a eu lieu ce jour à Alada. Et pendant ce temps à Abomey-Calavi, les 12 conseillers et le maire poursuivent leur tournée. C'est l'arrondissement de Hévier qui les a accueillis mercredi. Objectif, aller au contact des populations et s'enquérir de leurs difficultés quotidiennes. Petroni Lokossou, Marie-Louise Perrin nous font le point d'étape de ce périple municipal. Hévier accueille la réunion tournante de municipalité ce jour. Quelques minutes avant ses assises, le maire et sa délégation se sont rendus sur 2 différents sites. Dans un premier temps, ils ont procédé à la pose de pierre pour la construction de la première école primaire publique de Hounzévier. Et dans une seconde action, à la remise de 75 tables bancs au profit des écoliers de l'EPP Ouémé. Nous constatons que le maire et tout l'exécutif est résolument engagé pour les questions essentielles liées au développement de notre localité. Qu'elle doit pouvoir bénéficier davantage de votre attention par rapport aux questions de développement. Les élus locaux ont saisi l'opportunité pour partager avec le maire les problèmes qui minent Révier. Les problèmes qui minent le développement de mon village. Extension du réseau d'adduction d'eau villageoise, AEV. Extension du réseau électrique dans chaque village. Sous peu, les souffrances de votre population seront considérablement soulagées. Avec la mise en service d'importantes infrastructures routières en cours de réalisation, le Conseil communal s'est aussi résolument engagé pour vous accompagner dans la satisfaction des besoins de toute la population de ce cher arrondissement. Le maire Georges Bada compte sur la contribution de tous.
Et on parle santé à présent avec la mortalité infanto-juvénile, bientôt conjuguée au passé dans la commune de Comin, dans le département du Mono. L'USAID a lancé mardi la deuxième phase du paquet d'interventions à haut impact au niveau communautaire. Jérôme Mumbo pour le point. C'est dans le cadre de son appui au secteur de la santé au Bénin que l'USAID lance le projet PI communautaire. Paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Cette intervention permettra de réduire la mortalité maternelle et infantile. Et nous trouvons que c'est vraiment une opportunité que les communes doivent saisir. PI communautaire comprend une gamme de services dont les soins post-nataux, la prévention et le traitement du paludisme, le traitement des IST VIH. Ce lancement concerne la zone sanitaire Comin, Bopa, Grand Popo et Huyogbe. La préfecture du Mono s'engage à jouer sa partition dans la réussite de cette intervention en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Les mères, les collectivités locales joueront également leur rôle afin de garantir à cette intervention son caractère participatif et inclusif. Avec ce projet, le Bénin fait un nouveau pas significatif dans la mise en œuvre progressive du pays communautaire dans cette 77 communes, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les ONG locales. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter l'USAID pour son engagement dans l'accompagnement du secteur de santé. Sur les 13 communes concernées par cette initiative, la commune du Mono a elle seule en a 4. Je remercie au passage l'USAID sans lequel notre projet ne serait pas possible. Ce qui témoigne encore notre présence ce matin au lancement de ce vaste et vital projet. J'exhorte tous les acteurs à œuvrer correctement à l'atteinte des objectifs du présent projet. Le PI communautaire concerne 4 zones sanitaires pour un montant global de plus de 62 millions de francs CFA à exécuter sur 3 ans. On reste toujours en santé, en prélude à la journée mondiale, à la journée porte ouverte, j'allais dire, qu'ils organisent le 2 juin 2017. Les responsables de la centrale d'achat des médicaments et consommables médicaux étaient face aux hommes des médias, occasion pour eux d'informer le public sur la mission de la CAMI. Compte rendu, William Tchouki, Iliad Boukovo, Alexis Segbemont. Ils n'ont pas l'habitude de se prononcer aussi régulièrement sur les missions et les activités qui incombent à la structure qu'ils dirigent. Mais face aux nombreux questionnements des populations et surtout au lendemain de l'opération d'assainissement du sous-secteur des médicaments, ils sont sortis pour clamer haut et fort que l'opération Pandjanov n'a pas créé la disette pharmaceutique comme certains le font croire. La CAMI a été créée pour permettre aux populations deux choses. Avoir les médicaments de qualité en adéquation avec les affections les plus couramment rencontrées chez nous au Bénin. D'attirer davantage l'attention des populations sur le danger que constituent les médicaments vendus dans le circuit illicite. Toujours recourir aux médicaments du circuit formel, les responsables de la CAMI l'ont martelé aux hommes des médias. À leur tour, ils ont voulu s'assurer de la disponibilité des médicaments essentiels sous nos génériques et la capacité à couvrir une demande sans cesse croissante. Nous avons pris des dispositions pour accroître la disponibilité. Donc, nous avons fait une première évaluation, disons 3 semaines après l'opération Pangea. Nous avons constaté en moyenne que la consommation au niveau de la CAMI a augmenté de près de 65%. La CAMI se dit prête à satisfaire et à fournir toutes les gammes de produits pharmaceutiques. Mieux, elle ouvre ses portes au public ce 2 juin pour mieux se faire connaître.
Et on s'intéresse maintenant à ces examens de fin d'année, notamment l'examen du BEPC qui ouvre le bal. C'est déjà le compte à rebours. Le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle est allé constater le niveau d'avancement des travaux de préparation du dit examen. Le directeur des examens et concours, lui, fait le point. Tout se passe bien, a-t-il confié aux hommes des médias qui étaient à cette rencontre. Reportage, Ghislain Pouguet, Yva Goulopessi. L'examen du BEPC approche à grands pas. Les préparatifs vont bon train. À la direction des examens et concours, on s'affaire. Tout doit être prêt à temps. Nous sommes à la veille de l'examen du brevet d'études du premier cycle où le ministre est venu l'état des préparatifs. Cet examen se prépare très correctement et très bien. Un examen qui se prépare très bien avec la prise en compte d'une augmentation du nombre de candidats. Nous avons une augmentation de 12,35% sur l'effectif de l'année dernière, ce qui fait que cette année, nous avons un total de 224 995 candidats cette année. Et sur cet effectif-là, nous avons 96,754 filles, ce qui fait 42,95% et 57,05% pour les garçons. En fonction de cet effectif, le nombre de centres d'examen est revu à la hausse. Nous avons au total cette année un nombre de centres de composition pour l'écrit de 296 centres. Et par rapport à l'année dernière, nous en avons créé 31. Et pour les épreuves orales, nous avons 75 centres. Et les épreuves écrites, nous avons 96 centres. L'année scolaire dernière, le texte qui régit l'organisation du BEPC a été la source de quelques difficultés. Lucien Kokou explique que tout est rentré dans l'ordre. Cette année, on a repris le test. Il n'y a plus de directeur ou d'enseignant qui puisse dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant des coefficients suivant les séries de composition des apprenants. Donc on a vulgarisé ce test-là, comme cela se doit. Il est allé également visiter et encourager les enseignants qui s'occupent des travaux d'anonymat pour le CAP industriel. Il conseille aux candidats au BEPC de travailler sans aucune pression. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'être concentrés, de croire en ce qu'ils ont appris, parce que ça aussi, il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi pour affronter les épreuves sereinement, les jours de composition. Et pendant ce temps, les enseignants retraités du Bénin sont préoccupés par leur survie face à la situation sociopolitique que traverse actuellement le Bénin. Ils ont lancé à cet effet un congrès, le congrès constitutif du syndicat national des enseignants retraités du Bénin, SINER Bénin en abrégé. C'était ce mercredi à Cotonou. Reportage. Marginalisés, telle est la perception que les enseignants retraités se font de leur propre personne. Une perception ou sensation qui alimente plusieurs revendications dont quelques-unes retiennent l'attention. Nous demandons le paiement de nos 1,25 et non pas 1,20. Ceux qui n'ont pas été payés, ceux qui n'ont pas reçu les 1,20 tout au moins, aujourd'hui nous ferons le recensement. Remettre à l'enseignant retraité son livret de pension le jour de l'admission, de son admission à la retraite. Le creuset pour déposer une plateforme revendicative, c'est ce syndicat naissant, réunissant tous les enseignants retraités du Bénin, le SINER Bénin, porté ici sur les fonds baptismaux suite à un long processus. Nous sommes à la retraite. Et puis, c'est les lombagos. Demain, les eaux craquent de partout. Alors, ce qui est proche, ce qui est là, tout près, c'est le rappel des 1,25. Mais on ne peut pas obtenir ça sans nous regrouper. C'est là que l'idée est venue et on a commencé par cogiter. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur a indiqué qu'il a pris bonne note de l'ensemble des doléances émises. Elle ne doute point, Madame la ministre, des résultats de qualité qui sortiront de cette rencontre pour la survie des enseignants ayant longuement et loyalement servi le Bénin. Paul Esseiko est le secrétaire général élu pour un bureau de 13 membres issu de plusieurs heures de réflexion. Le troisième âge en éducation est désormais présent sur le plateau des luttes syndicales au Bénin.
À vos téléphones portables à présent, composez avec moi le 166, le 166 donc, appelez désormais. Et au bout du fil, on vous répondra à l'eau police secours. Le 166 est en effet un numéro vert d'intervention rapide pour des questions sécuritaires. C'est une ligne directe ouverte pour recenser les incidents en lien avec votre sécurité, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Ulvaïs Balogun et Jules Akwaekou étaient au lancement de cette ligne verte. Reportage. Un numéro vert pour joindre toutes les forces de sécurité du Bénin. Le 166, Allo Police Secours, est désormais la ligne à appeler 24 heures sur 24 pour signaler toute situation de détresse, accident, braquage ou autre sinistre dont tout citoyen pourrait être témoin. Ce numéro 166 est gratuit, quel que soit le réseau téléphonique utilisé et le lieu d'émission des appels sur le territoire national. Il permet de développer et d'intensifier les services d'aide à la population au plan sécuritaire. Dans ce call center, 8 appels peuvent être reçus en simultané avec un délai minimum de 5 minutes pour traiter et mobiliser les unités de sécurité territorialement compétentes. Mais l'autorité prévient. Le numéro 166 n'est pas une tribune pour les grognes, les dénonciations calomnieuses, encore moins un instrument de diversion des unités de sécurité publique. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les Béninois pour un usage massif et constant de ce précieux instrument afin de contribuer à l'atteinte des objectifs sécuritaires de notre pays. 166, un numéro vert pour garantir efficacement la sécurité des personnes et des biens partout au Bénin. Mais avant même le lancement de ce numéro vert, le professionnalisme de la police nationale a payé. La direction centrale de la police judiciaire a mis la main sur 2 différents groupes de malfrats. Leur modus operandi, tromper la vigilance des victimes en se faisant passer pour des hommes en uniforme. Ils ont été présentés à la presse. Suivant les explications du directeur central de la police judiciaire, il est au micro de Mylène Fanon et de Brice Chibozo. C'est un vaste réseau de braqueurs qui ont dans leur mode opératoire différentes formes. Et ça nous a permis, nous, de pouvoir les traquer grâce aux unités spécialisées de la police, dont les raids et la brigade criminelle, la sous-direction des affaires criminelles de la direction centrale de la police judiciaire. Des informations dignes de foi sont parvenues il y a quelques jours à la hiérarchie policière et faisaient état de ce qu'une bande se préparait à aller commettre un vol à main armée et au préjudice d'un citoyen à Calavi. Alors, la hiérarchie policière alors nous a instruits d'interpeller ces individus et d'ouvrir une enquête subséquente. Alors, le dispositif mis en place a permis d'interpeller des individus, effectivement, et qui étaient armés et qui se rendaient au domicile d'un citoyen que je voudrais ici taire le nom. Alors, une enquête a été ouverte et l'enquête a permis de démanteler un vaste réseau d'individus qui opèrent habituellement en tenue treillis et qui se présentent à vous et vous leur ouvrez la porte une fois à l'intérieur, qui vous tiennent en respect avec leurs armes. Dernier, le cas le plus récent, c'est celui qui a été commis à Ekpe, sur l'axe Porte Nouveau, Ekpe, où un individu a été filé et des gens qui se sont fait passer pour des gendarmes, c'est des gens qui étaient en tenue treillis, se sont fait passer pour des gendarmes et ont essayé de faire un contrôle routier, ont arraché la moto de l'individu ainsi que son argent, plusieurs dizaines de millions, et ont disparu. Restons dans le champ lexical sécurité, délit et crime et intéressons-nous à un fait plutôt récurrent dans notre société, le viol. Le constat est patent et mérite donc une attention. Pour preuve, à la première session de la cour d'assises de l'année 2017, beaucoup de dossiers sont des cas de viol. Alors question, pourquoi cette recrudescence? Comment expliquer une pareille déchéance morale? Des questions qui trouveront certainement une esquisse de réponse dans ce sujet de Jérôme Mbor. À
la première session de la cour d'assises pour l'année 2017, le tribunal de Cotonou a connu de plusieurs dossiers de viol. Entre autres, Septime Tometissi a abusé sexuellement d'une fillette de 9 ans en 2014 à Ganri, à Cotonou. Plusieurs écolières ont subi de façon rotative les affres libidinaux de leur enseignant Chadras Gongo en 2012. François Moussa a également contraint à des rapports sexuels une mineure de 10 ans au quartier à Gontincon, à Cotonou. Le 28 octobre 2014, Abdoulkader Rabiou entraîne une fillette de 10 ans dans une ruelle déserte, puis il abuse d'elle. À l'interprétation de ces actes, le garde des Sceaux donne des explications au plan sociologique. Au plan sociologique, les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. Parce que vous avez le jeune qui ne peut plus vivre dans une chambre élargie, ne peut plus avoir une copine, surtout ne peut pas se marier, parce que les conditions de la vie sont chères. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas les mêmes besoins physiologiques. C'est ce qui est, il a les mêmes besoins physiologiques, mais il ne s'exprime pas la voie de la violence, la soumission du plus faible en exprimant. Et donc, il y a des éléments d'explication de la montée de ces infractions-là. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut protéger la victime. Mais selon les experts en neurosciences appliquées, cette déchéance morale est due au dysfonctionnement du cerveau au niveau des neurones et leur canal de transmission des messages. Souvent, ces neurotransmetteurs, quand c'est en surplus, ça ne crée pas trop de problèmes. Mais quand c'est en carence, ça génère des problèmes psychologiques. Et c'est ça qui crée à un moment donné des crises d'angoisse chez nous, des manques de motivation, et jusqu'à aller à la délinquance, au viol, à des violences qu'on retrouve un peu dans les familles. Donc, et tout ça est sujet à ce qu'on appelle peut-être quelquefois l'alcool, le tabac, et la nicotine, la drogue et tout. La déviance morale entraîne des troubles de comportement, d'où l'instabilité dans la société. Selon les spécialistes, cette problématique d'origine biochimique peut trouver des solutions adéquates. C'est déjà de commencer par faire ces tests au niveau de ces neurotransmetteurs, de donner des conseils palliatifs aux parents pour qu'ils voient comment éduquer, parce qu'ils ne savent pas éduquer les enfants. C'est ce qui fait que même à l'école, les enfants ne réussissent pas. C'est de la même façon, les parents vont constater que c'est ce qu'ils disent à leurs enfants de ne pas faire, que l'enfant répète. Mais c'est un lien au niveau du cerveau et c'est le modo du fonctionnement du cerveau. Désormais, dites aux enfants ce que vous voulez qu'ils fassent. Ne leur dites plus ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Face à la question, les experts en neurosciences appliquées entendent apporter leur contribution pour une vie plus paisible des individus et de la société. Et avant de boucler ce journal, on va s'intéresser à ces femmes qui pourront bénéficier dans les prochains jours d'infrastructures marchandes pour leur commerce. Les femmes des marchés de Cotonou et d'Abomey-Calavi ont eu droit mercredi à une séance d'explication. Elles ont été sensibilisées à ce sujet. Face à elles, le directeur de la SOGEMA et le chargé de mission du président de la République. Les échanges ont porté sur la construction de marchés secondaires et les mesures d'accompagnement y afférentes. Reportage Aurélie Sauton, Edmond Hongo. Séance d'explication à l'endroit des femmes des marchés. Elles sont venues des marchés de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour écouter le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, et le chargé de mission du président de la République, dépêché auprès d'elle pour la circonstance. Il est question de la réhabilitation et de la construction des marchés secondaires. Nous avions organisé une rencontre cet après-midi avec les femmes des différents marchés de Cotonou et de Calavi, les femmes des marchés de Womé, de Kokoukodji, des marchés de Cotonou, d'Antopa et environ, pour d'abord vulgariser le PAG à leur niveau, ce qui les concerne dans le PAG. Nous avions abordé l'axe, le volet qui concerne la construction des nouveaux marchés, de 35 marchés dans Cotonou et environ. Au cours des échanges, les femmes ont demandé à être convenablement relogées avant le démarrage des travaux. Toutes vos doléances seront prises en compte. Le président de la République comprend vos soucis. 35 marchés seront construits et dans chaque arrondissement, il y aura des marchés secondaires en plus des marchés principaux qui seront construits. Elles ont aussi émis le vœu de rencontrer le chef de l'État en personne afin que toutes leurs préoccupations soient prises en compte.
Ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes.